Salut tout le monde, comment vous allez bien? Comment vous avez la pêche? Aujourd'hui, on se retrouve pour découvrir. Non, pas pour découvrir en fait. Pour notre, on se retrouve pour la suite de notre cher Let's Play sur Dead Space 3. Alors, je vais orienter un petit peu la lampe parce qu'on ne voit pas beaucoup, beaucoup. Je pense que ça va comme ça. Voilà. Bon, je switch. Voilà. Et on se retrouve pour la suite, donc toujours avec notre cher Isaac en combinaison. Pop, 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 pop. Donc on doit aller par là. On va suivre le chemin. On va essayer que cette vidéo soit assez rapide. Je vais bien essayer bien la commenter aussi. Attendez, attendez. L'objectif, il faut que je voie l'objectif. Ok. Essayage, établi. Objectif, ben, on suit. Ok, on suit l'objectif. Jusque-là, c'est pas trop compliqué. Faut juste. Ah, attends, il me demande l'étage. L'étage. Je ne sais pas l'étage. Attends, attends, je vais. Attendez, les amis, je vais voir, je vais voir. Pop, pop, pop. Mission. Ah, mission, voilà. On est une sorte de ville volante. L'avant, le milieu et l'arrière du vaisseau sont connectés. Tu parcours. Où se trouve le creux, l'avant et le milieu. Bon, on va essayer tous les étages. On va ah, le 3, on peut pas. On va faire le 1. Ah, ben, le 1, c'est où on est. Et le 2, voilà. Voilà, on avait qu'un choix en fait. Allez, des fois, je me prends la tête pour rien. C'est pas trop grave. Bon. Cette fois-ci, j'ai pas mis ma caméra normalement. Parce que d'habitude, je la pose sur. Ah putain, j'ai même pas mon micro à côté de moi. Mais... Voilà, ça va être beaucoup mieux là. Voilà. D'habitude, j'ai ma caméra. Allez, vous savez, quand vous avez une caméra, bah, vous avez un. Allez. Une sacoche pour mettre votre caméra dedans. Et moi, je mets la sacoche et puis je mets la caméra dessus. Avant, je faisais comme ça. Maintenant, bon, j'ai mis un disque de PS3. Mais... En espérant que vous allez me voir. Donc ici on doit toujours aller vers l'avant. Ok, c'est magnifique. Là je peux vous dire on a une bonne arme et on est prêt un petit peu à toutes les situations. C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ça? On doit monter là? À mon avis. Ouais. Oh attends. Ah ouais d'accord. On va courir parce que ainsi on avance plus vite. C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Tourner lentement elle, pour trouver les points faibles, bleus, puis appuyer sur OK. Lentement. Ah non, elle. Attends, les points faibles, bleus. Ah. Ok. Ok, nickel. Voilà, ça va assez vite. Hein. À mon avis, ceux d'après vont être plus compliqués. Notre navette se trouve à l'arrière du vaisseau. On écoute. Je vais mettre nos traceurs à jour. Dites-moi seulement si elle pourra nous emmener. Si on arrive à la remettre en état. Ah. D'après les analyses, c'est un vrai tas de ferraille. On peut la faire voler, c'est pas vrai? Okay. C'est la plus grande case de l'espace ici. Je vais la réparer. Bah oui, il va la réparer, Isaac. Hein. Ouais. Dis. Ça va le faire. Oh, une tête. Mais qu'est-ce que c'est mignon. Non, sérieusement. Ok. On doit bien aller là. Ouais, je vérifie à chaque fois parce que si je me gourde de chemin, après on devra faire un demi-tour et c'est pas intéressant. Hein. Attends, on doit bien aller là. Ouais, ouais, y a que ça comme chemin, donc on peut pas se tromper. Ah, ah, oh, oh. Putain, tu m'as fait peur, toi. Saleté de jeu d'arcade. On peut même pas y jouer en plus. Allez, moi je veux jouer, bordel. On peut même pas jouer à ce jeu là. C'est quoi ça? Ça me dit si on doit ramasser, non? Je peux même pas aller dessus. Ok. Ok, on prend toutes les munes qu'on peut, les gens. Hein. Je vous ai déjà dit, une fois qu'on tombe en rade de munes, on est vraiment dans la merde. Donc il faut vraiment se méfier des munitions que vous avez.
Là, je pense que je dois avoir 20 chargeurs dans mon inventaire. Donc, on est paré pour la guerre du Vietnam, je pense. Ok. Les casiers orange, vous pouvez pas les ouvrir. Les casiers bleus, vous pouvez les ouvrir. Ok, on avance, let's go. Oula! Ça me plaît pas, ça. Ok, ça c'est un de moins. Merde, on peut recharger. Pendant ce temps-là, il en profite, hein, ce petit salopio, là. Ok. Ils sont pas très durs à tuer, eux. Vous allez me dire, la taille... Quand on voit leur taille, c'est... Ok, excusez-moi les gens, là on n'a plus qu'une barre d'alimentation niveau caméra, ça me fait peur. J'espère qu'on pourra aller jusqu'au bout, c'est quoi ça? Ah, on pouvait les lancer, merde. Ah merde. Bon, c'est pas grave. On ne s'en est pas servi. Ah, 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 ah. Ok, c'est bien, il faut aller. Qu'est-ce que tu veux, toi? Oula, 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 dégage, dégage! Allez, bien sûr, il y en a trois sur moi, bordel! Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il y en a trois! Oh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu! Là, ils m'ont pété! Ils m'ont pété, les gens, là! Là, ils m'ont carrément... pulvérisé. Ok. Ça, on va vite... Ça va vite être réglé, cette affaire. Voilà. Et regardez ce qu'on va faire, les gens. Regardez notre chère technique. Voilà. Ah, ah, ah. Tiens, je vais te lancer ça dans ta face, espèce du con, va. Tiens, voilà, bouffez ça. Faites-moi les malins, là. Hein? Bon, voilà. Écoutez, si je tombe en panne d'alimentation niveau caméra, c'est pas grave. Je remettrai une batterie, je ferai une petite ellipse et on verra rien du tout. Bon. Je me balade toujours avec ça, c'est toujours utile ça. Ok. Nickel. Ah, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Wow. Un vieux méca charognard. Un méca charognard. Ça pourrait être utile. Ah ouais, c'est genre à la Call of Duty, rap, allez, capteur cardiaque, ouais, genre Call of, ou dans Alien aussi. C'est plus Alien, c'est vrai que c'est plus orienté Alien. C'est plus grand, c'est plus comme Alien. Appuyez sur la touche O pour équiper. Appuyez la 1 pour suivre. Et suivez le radar. Et après... Voilà, on va le déployer. Et il va nous guider. Allez, guide-nous, notre cher ami. Allez. Allez, avance. Allez, hein. Mais quelqu'un trouve des ressources qu'il apportera à l'établi. Bon, on doit le suivre, mais je sais pas quand il va se bouger. Ça y est? Allez. Ok. Ici, on a toujours des bonbonnes. On les prend. C'est toujours mieux. Ah, ah, ah. Regarde. Merde. Voilà. Ça a été facile à tuer, ça. Oh, ça m'est mort. Ah, ah, ah. Où est-ce que vous êtes, vous? Bande de petites saloperies. Ok, ça, là je t'ai atomisé, toi. Je t'ai atomisé, ouais. Je t'ai cramé. Je t'ai... Laisse tomber, le terme est trop haut pour l'utiliser. Ou qu'est-ce que c'est que ça? Décidément, je disais que la diversité niveau monstre était pas très élevée.
Mais c'est vrai que là, on n'a pas arrêté de voir des monstres différents dans cet épisode 5. Hein. Oh merde! Ok, bon. On va prendre les munitions qui sont sur eux. C'est toujours utile. Ok, génial. Voilà. Ok, bon, ici. Je vais recharger. On sait jamais. Voilà. Allez, montrez-vous. Montrez-vous. Bande de cochonneries. Oula, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Oulala. Oula, oula, oula! Aïe, 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 aïe. Putain, j'ai plus beaucoup de vie, moi. Ah, bah oui, ils m'ont eu. Hein. C'est à cause de cette petite cochonnerie, là, qui rampe partout sur la terre. Et comment voulez-vous les viser? Ils sont tellement petits que... Allez, on va avoir la même cinématique que tantôt. Ouais, blablabla, bla bla, on s'est pas passé, hein. C'est dommage. Dommage qu'on s'est pas passé les cinématiques. Putain, mais... En plus, la musique est bien stressante. Un petit coup de stas, ça fait toujours du bien. Voilà. Ok, on prend les mines, on l'écrase. Y'a plus de mines? T'as plus de mines pour moi, toi? Espèce de clochard. Va. Ok, c'est quoi ça? Je sais pas ce que c'est. Ah, message trouvé. Ok, on a un message trouvé. Bon, on va le lire. Comme je suis curieux, vous savez. Message. Mecha déployé, retour. Ouais, bon. Ok. Bon, y'a pas beaucoup de peps. Allez, qu'est-ce que tu veux, toi? Boum, boum. Ah merde. Ça va. Quand vous les voyez et que vous les visez, c'est assez facile à avoir. Ils sont pas très résistants. Ils pètent en un coup. Mais c'est vrai que des fois, quand vous avez 3-4 monstres qui sont plus grands qu'eux à côté de vous, plus ça, c'est vrai que c'est assez dur à gérer. Mais bon, vous savez bien. Hein. Ici, le roi des zombies, vous l'avez devant vous. Hein. Non, je rigole. Je vais pas avoir la prétention d'être le meilleur joueur du monde de tout ce qui est zombie. C'est pas vrai, ça. Ah, ça me fait penser au gros qu'il y avait dans Dead Island. Oh, putain. J'ai plus de balles, moi. Merde. Faudrait que je ramasse des balles. Oulala, là, ils sont vraiment énervés. Aïe, 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 aïe. Ok, on prend les munes, parce qu'on a plus beaucoup de munes. Ok, il a rien. Pourtant, il a vraiment un gros ventre. On croirait qu'il cache des munitions dans son ventre, hein. Ce petit gros là. Bon, je suis pas mince non plus, hein, mais bon. Oula, oula, oula! Aïe, 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 caramba! Aïe, allez, dégage, dégage, dégage. J'aurais dû ramasser des mines. Ah, merde, 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 merde.
Allez, allez, allez. Calme-toi, Guillaume. Ça va aller. Ramasse des munes. Oula. Putain, j'ai cru qu'il se réanimait, celui-là. Bon. Ok, ça, ça fait. Il n'y a plus de munes. Bon, ici, il y a peut-être un truc de vie, là. Ah, recharge. Ah, intéressant. Attends. Ok. Je vais voir s'il y a un établi à côté. Ah ouais, il y en avait un juste là-bas, ouais. Bon, avant. Ah, ben, bah, j'ai un kit de soins, moi. Voilà. Ok. C'est quoi, ça recharge de stas? Ouais, il y en avait un à côté, c'est juste. Ok. Allez, vite, vite, vite. Ça fait déjà 10 minutes. On traîne. Allez, 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 allez. Let's go. Allez, porte. Ouvre-toi. Ouvre-toi. Allez. Ah, voilà. Ah ouais, il est juste là. Ça va, il était pas trop loin. On va améliorer vite fait notre arme. Recharge, dégâts. Je pense qu'on va améliorer la deuxième arme. Parce que la mitraillette, bon, je trouve que elle est assez... Ah, nouveau. Ouais, non. Ici. Ok, relégeant. Bon, on va orienter notre petite caméra. Voilà. Excusez-moi, petite... allez. Décharge d'alimentation niveau caméra. Donc la batterie était déchargée. Excusez-moi, j'ai mis une nouvelle batterie. Ainsi on a 3 barres et ainsi on est tranquille. Circuit. Donc on va améliorer cette arme là. Dégâts. Recharge. Recharge, ça serait mieux celle-là. Ouais. Recharge, ça serait mieux celle-là. Recharge et dégâts. Bah, on peut faire les deux. Donc, on va faire les deux. Ok, bah voilà. Circuit d'amélioration inférieur. Ok. Bon, ben, ça va. Je pense que là, on va avoir une bonne arme. Là. Une très bonne arme, même. Elle va bien faire mal. Ok, ben. Ouais. Je pense que ça sera assez comme ça. Ok. Ouh. Allez, allez, allez. On se grouille, on se grouille, on se grouille. Ça fait déjà 10 minutes que ça filme. Il n'y a pas beaucoup d'ambiance dans ma vidéo. Je l'ai déjà dit. Je sais bien. Allez, ok. Ok, ok, ok. C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ça? À mon avis, ça va être... on va l'ouvrir prochainement, ça. On devra aller là plus tard. C'est quoi ça? Rien, là. Non, ok, c'est quoi ça? Tramway Terra Nova. Alerte, ouais. Collision de train détectée. Okay. Veuillez vous adresser au berceau pour éliminer cette obstruction. Je suis coincé à la station de proue tant que le tram est bloqué. Les gars, il y a quelque chose qui bloque le tram. Le berceau n'est plus très loin. Les voies sont visibles d'ici. Merci, Buckle. J'irai voir ça. Ok, bah on suit. On suit le chemin. On suit le chemin. On suit le chemin comme d'habitude, comme dans l'oubli. Non, sérieusement, j'ai vraiment pas de talent de chanteur, ça c'est sûr. C'est quoi ça? Ouh là là, ouh là là, dégage-toi. Ok. Voilà, il y en avait que deux de ces saloperies là. C'est quoi ça? Ah ah ah. Qu'est-ce que c'est que ça? Aïe 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 aïe, dégage, dégage, dégage. Venez ici, bande de coquins. Venez ici, près de papa. Et c'est bizarre, ces bêtes-là, vous les chassez de votre corps et après ils partent. Des bêtes là. Ah ouais, c'est quoi ça?
Qu'est-ce que c'est que ça? À mon avis, c'est ce qui bloque le tram, ça, je pense. Ok, ben on l'a détruit, on dirait. Contient des ressources et des pièces rares. Boîte de pièces détachées. C'est quoi, boîte de pièces détachées? Ouais, bon. C'est pas grave, j'ai rien compris à ce qu'il dit avec sa boîte de pièces là. Pas trop grave. Voilà, on monte. Allez, Isaac. Fais une petite danse pour nous. C'est vrai que t'es pas très chaud à niveau. Allez, niveau humeur. Je te comprends. Dans un monde comme ça, on est plutôt bad. Ah, des caisses. Merci. Ah, ça c'est bien ça. Et tu peux le virer ? C'est quoi ça ? Je dois pouvoir faire ça. Okay. Faut bien qu'on atteigne la poupe d'une façon ou d'une autre. Activer ? Ah merde. Attends, comment on fait ? Oh putain. Mon dieu. Ah oui. Non ? Il est peut-être fou de ma gueule, là. On va essayer de tous les côtés, hein. On verra pas de vie, donc... Et mais... Oh ! C'est quoi, ce bordel ? Et mais... Non, mais t'es sérieux, toi ? Non, mais là, hein, il saute un petit... Ah, voilà, enfin, putain. Allez. Putain, ça fait du bien, des petites énigmes comme ça. Mais bon. Comme ça. Voilà, bon. Allez, on va y arriver. On a encore deux, bordel. Allez. Non. On perd pas de points, manière. Voilà, génial. Allez, encore combien? Deux. Allez, encore un petit peu de souffrance intellectuelle. Et après, on pourra se relâcher. Ah, mes seigneurs. Oh, ça m'énerve les gens. Ce moment là je vais l'accélérer dans mon let's play, sinon ça va tout niquer mon let's play, ça. Et mais c'est bien dans un côté, hein, bordel. Voilà. Ouh, on est enfin y arrivé. Franchement, c'est pas mon truc, les énigmes comme ça. Si vous me demandez de jouer sur un jeu d'énigmes, c'est mal bas pour moi. Moi, je vous le dis. Ah merde, qu'est-ce qu'il me fout lui? Putain. Eh, ils sont chelous ces monstres là. Ils vous mettent de l'acide sur le corps, genre à la alien, et ça vous nique toute votre vie là. Attends, il m'avait demandé de appeler mon truc. Attends. Bon, je pense qu'on va prendre ça, ouais.
Ok, on va prendre un kit de soin parce que sinon on va pas faire long feu. Le tram est opérationnel. Ah ben voilà, on peut retourner où il y avait les commandes du tram. Donc ça c'est génial. Ah merde, merde, merde. Dégage, dégage, Jack. Dégage. Dégage, tu n'as pas le temps. Allez, allez, dégage, bordel. Oula. C'est vraiment des manches chelous ça en plus. Hein. Oula, oula, il est où? Merde, 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 dégage, dégage! Ah, merde, oh, dégage! Ah voilà, il nous a eu, hein. Et il nous a eu, hein. Et voilà, et on dégueule tout, voilà. Espèce de petit dégueulasse, t'aimes bien nous voir dégueuler, hein? Hein? Hein, t'aimes bien ça, hein, voir du vomi? Et l'avoir dans ton visage pour bien être encore plus infecté, ça t'aime bien, hein? Hein? Eh, hey, faut me laisser tranquille, Alain. Voilà, ok. Du temps que vous me donnez des munitions, ça va encore. Si vous me donnez pas des munitions, là, ça va pas le faire, quoi. Hein. Ok, là, on ramasse. Voilà. Un message. Ah, c'est quoi, ça? On a encore une arme. Propulsion orientée, compacte. Ok, bon, on a une amélioration, c'est bien. On a juste un établi, là, en plus. Ouh, là, il y en a un qui va sortir de là. Même pas, ça va. Ok, il y en a plus. C'est bien. Je pense que ça, là, ça fait déjà 22 minutes que ça filme. C'est pas grave. On va un petit peu accélérer tous les moments où je galère. Et en plus, il prend des ressources, celui-là. Ça, c'est bien, ça. Nouveau. Ouais, non. Par contre, là, on peut encore ajouter un truc. Franchement, elle va être overboostée, notre truc. Il m'avait dit qu'il y avait un truc en plus. Rapporteur. C'était quoi encore? Parce qu'après, je dois encore étudier néerlandais. Propulsion orientée. Ah, par contre, les dommages sont réduits. Mais la vitesse, elle est plus... Est-ce qu'on choisit la vitesse ou... Attends. Propulsion orientée compacte. Est-ce qu'on peut l'ajouter à notre autre arme? C'est pas mal, ça. Non. Non, on dirait que non. Ah, ah, ah. Outil supérieur. Supérieur, outil inférieur. On va essayer. Et on va voir ce que ça donne. Si ça devient trop merdique, on va la retirer. Ok. Manière, s'il était sur le chemin, c'était pour s'en servir. Hein. Donc, à mon avis, ça doit être pas mal, hein, ce truc-là. Oula, oula, oula. Oh, c'est un genre de fusil à pompe. Ah, c'est bien, ça. Ouh, c'est quoi, ça? D'accord. Ouais. Ah ouais, c'est juste, on a notre petit robot, là.
missile, toi. Tu sais qu'est-ce que tu vas faire. Je vais te déployer. Oula, oula, oula. Qu'est-ce qui se passe, là? Qu'est-ce qui se passe? On va pas se cracher, là. Aïe, 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 merde. Ouh, ça pue pour nous, ça, les gens. Ça pue pour nous. Allez, accroche-toi, Isaac. Ah, ben, ça va, on n'a pas été trop secoués, hein. Non, on va déployer notre robot. Donc ce qu'on a fait comme autre arme là, c'est un genre de fusil à pompe. Hein, on va voir ce que ça donne. Ça a l'air prometteur en tout cas. Lire, c'est quoi ça? Tucker Edwards, tu peux venir au berceau? J'ai besoin d'aide pour les caissons d'hypersommeil. Hey, Tuck, t'es là? Ah, ta gueule, Sam! Je suis payé pour transporter vos culs, pas pour les torcher à l'arrivée. T'es qu'un pauvre type, Tucker. Tu le sais, ça? Laisse tomber. Tous mes ancêtres étaient des gros fainéants, Sam. C'est à Sekovski que tu devrais demander un coup de main. Le merdeux ferait tout pour impressionner le commandant. C'est pas vrai. C'est une mission collective, Tucker. Un de ces jours, il va falloir que tu penses. Un de ces jours, Sam. Je suis désolé, les gars, mais... Si vous n'avez plus de munitions, utilisez la télékinésie. Tenez, j'ai trouvé ce message quand j'étais bloqué sur la Méduse. Ok. Ok. Vous qui regardez ça. Ouais. Ok, j'écoute. Vous pouvez récupérer les membres coupants par kinésie pour ensuite les retourner contre eux. Regardez. Regardez bien. Ok, je regarde. Ça fait 3 heures que je survis comme ça. Vous voyez? Retournez-les contre eux. Ah ouais, ouais, d'accord. Ok. Utilisez la télékinésie pour saisir et lancer des membres d'ennemis. Ah ouais, ouais. Ouais, bah ça, on le savait déjà. Hein. Vous savez, j'ai déjà un petit peu touché à Dead Space 2 et Dead Space 1. Et ça, je veux dire, c'est du classique, hein, ça. On doit monter là. Apparemment, oui. Donc on monte là. Ok. C'est quoi, ça? C'est un cocon, ça? Il n'y a rien dedans, je pense. Ah. Artefact découvert. C'est quoi un artefact? Je sais même pas. Service. Ouais, ok, on s'en fout. Ceux qui veulent lire, ben, ils font pause et ils lisent. Ok, ça, on met là. Si, je peux avoir des bulles. Ok. Il n'y a plus rien. Et on va aller là. C'est bien là qu'il faut aller, ouais. Ah, c'est quoi ça? Ah, ok. Ça a été vite pour qu'on te tue, toi. C'est quoi ça? Il n'y en a pas d'autres, ça va? T'as pas de munitions encore, toi? Non, t'es tellement affecté que les munitions sont affectées, là. Ah, là, je lâche des feintes, mais c'est ce niveau maternel. Là. Je me surprends moi-même, franchement. C'est quoi ça? Ah, bah c'est des mines. Oh putain. Ok. Ok, on doit le faire le chemin inverse. Ah, bah oui, évidemment, parce que on savait pas activer le tramway et là on sait l'activer. Oula, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ce zombie encore? Encore un nouveau zombie? Ah ouais. Oh merde! Il peut se régénérer! Tu vas pas pouvoir le tuer! Pas moi! Allez, dégage, dégage, dégage! Merde! Ah, il m'a eu, hein, ce petit salopio là. Bon, on va essayer de vite terminer cet épisode. Allez, allez, allez.
Je pense pas que c'est très divertissant pour vous là, mais je suis désolé, on fait notre épisode et après ce sera peut-être plus divertissant. En attendant, on se concentre et j'essaie de vous proposer un contenu de qualité. Ah, ok. Mais qu'est-ce que t'es moche, toi? Oh merde! Il peut se régénérer! Tu vas pas pouvoir le tuer! Dégage, bordel! Ah, il va encore nous avoir, hein! Oh merde! Ah, ok. Ouh, ça va pas le faire. Ah merde, mais comment tu veux les battre, franchement? Ils sont trop forts, hein. Oh là 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 là. Ici, on a des munes. Ok. Il doit aller là, donc. Ah, ça fait trois fois qu'on voit la même cinématique. Je vais aller jusqu'à où je réussis, sinon ça va durer trop longtemps. On peut pas les passer, ça c'est vraiment mal foutu dans le jeu. Ça. Tu vas pas pouvoir le tuer! Pas moi! On se casse. Allez, vite, on se casse. Vite, 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 vite. Allez, vite, vite, vite. Ferme-toi, ferme-toi, ferme-toi. Ouh, ça va, on est tranquille, les gens. Oh putain, j'ai stressé là pendant un moment. Là, je vous dis, il y a mon cœur qui va sans pulsation. Oh.
Allez, arrêtez avec la musique très simple. Ça va aller, Guillaume, ça va aller. Ok. On a des kits de soins, s'il te plaît. Oui, on a des kits de soins en plus moyen. Merci Jésus. Ah, merci. Oui, il y a encore la musique stressante, j'aime pas ça. Oh, allez, dégage, dégage, dégage. Putain, mais dégage. Putain, merde. Espèce de saloperie. Putain, allez. Allez, on a encore un petit coup de stas si jamais. Allez. Ok. On recharge le stas. Non, dégage, dégage, dégage. Dégage, mon ami. Putain, il nous a fait une petite feinte, hein, salopard, là. Oh, il y en a deux, en plus. Et merde. Allez, ben oui, hein. Oh, j'espère qu'on a activé notre truc, là. Allez, allez, il faut qu'on arrive à l'épisode 6, s'il te plaît. S'il te plaît. Oui, déjà 20h26. Allez. Guillaume, tu es un spartiate ou pas? Il n'y en a pas là? Ah aussi là. Ah ben l'autre il est parti, c'est bien ça. Ça c'est bien. Il est parti. On a toujours la musique stressante, donc il est là à mon avis. Oui, il y en a un là. Il y en a pas? Il est où? Ah, il est là. Non, dégage. Veuillez patienter. On patiente. Mais si tu voudrais nous ouvrir, ça serait bien. Putain, il y en a deux. Bande de salopards. Ouais, veuillez patienter, hein, je patiente, mais tu m'ouvres pas les portes. Alors comment tu veux que je fasse? Moment de rage, les gens.
Arrivée imminente du tram. Veuillez patienter. Allez, on tourne là. Normalement, ça devrait le faire. Veuillez patienter, je patiente, mais ça n'arrive pas, il me semble. Allez, vite, 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 vite. Et il court vite, ces salopios, là. Hein. Merde, merde. Vite, on y est presque. Centre, station, centre. Attends, on doit aller où? C'est bon là. Oh, oh. Ce train passe par la station centre et de la poupe. C'est l'heure de monter à bord. Je pense qu'on doit aller au centre. Ok. Je suis arrivé au tram. Allez. On dirait qu'il dessert les stations du centre et de la poupe. La navette est à la station de la poupe. Et la station centre? C'est celle du centre opérationnel. Voilà qui est intéressant. Ah ben voilà les gens, on est arrivé enfin à l'épisode 10. J'espère que l'épisode 6 vous plaira, mais en attendant, l'épisode 5 est terminé. Je vous le proposerai, je pense, pour mercredi. Voilà, moi je vous dis bye bye. J'espère que cet épisode vous a plu. Il n'y avait pas eu trop de peps, j'ai pas été trop marrant dans cette vidéo. Mais je me rattraperai pour la prochaine fois. Bref, à la prochaine pour la prochaine vidéo. Salut tout le monde.